Salut à tous fanatiques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va parler de Fortnite Sauver le Monde, à quand il va être gratuit, et bien sûr, le gain des V-Bucks pour ce mode de jeu Sauver le Monde. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Sauver le Monde, il a été populaire le 27 juillet 2017, donc grâce à la sortie de Fortnite Battle Royale. En ce moment sur YouTube, c'est le jeu de tendance, comme vous savez tous. Bah, depuis déjà l'année dernière, il est tendance sur YouTube et là il continue encore à augmenter. Vous aurez pu voir que bientôt il y aura la saison 5, donc juste exception de Sauver le Monde, la saison 5. Pour moi, il y aura des zombies car tout simplement la fusée elle va décoller, elle va se crasher à un endroit dans la map. Et ensuite, ça va libérer des zombies. Donc voilà, préparez-vous à une invasion de zombies pour la saison 5. Alors, on revient à Fortnite Sauver le Monde. Alors, pour moi, il sera gratuit le 27 juillet 2018. Donc là, à l'heure où je vous parle, on est le 27 juin 2018. Et il sera bien sûr gratuit le 27 juillet 2018 pour fêter les 1 an de Fortnite. Alors, je ne sais pas si ma théorie, elle est bonne. Mais en tout cas, moi, ça tient la route. Voilà. Et le gain des V-Bucks, vous pourrez trouver ça dans la description. Il vous a juste à cliquer dessus, ça va vous ramener sur un site où en fait ça explique tous les V-Bucks que vous aurez gagnés grâce à Sauver le Monde. Alors il y a plusieurs potes à moi qui ont acheté Fortnite Sauver le Monde et ils l'ont acheté 40 euros. Donc sur la Play 4, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à 40 euros. Et sur PC, on peut le trouver à 20 euros sur Instant Gaming ou G2A. Mais bien sûr, si on l'achète sur Fortnite. Le site officiel, c'est à 40 euros pour les deux plateformes ainsi que Xbox aussi. Voilà, donc ils ont déboursé peut-être 40 euros, mais en un mois, ils se sont fait rembourser leurs 40 euros parce qu'ils ont gagné 4000 V-Bucks. Donc, sachant juste en se connectant, vous gagnez 2000 V-Bucks tous les mois. Mais vous trouverez toutes ces informations dans la description une fois que vous avez cliqué sur le site. Bah, vraiment, faut tout lire parce qu'avant de vous lancer dedans, voilà, donc c'est vraiment les gens. Les personnes qui aiment beaucoup Fortnite, voilà, donc ça va être la vraie histoire de Fortnite, c'est pour ça qu'il ne faut pas juste l'acheter pour avoir des bugs, c'est pas parce que vous allez vous connecter toujours, vous allez gagner 1000 V-Bucks, en faisant rien du tout, vous allez gagner plein de V-Bucks, non, faut pas se dire ça dans la tête, faut se dire que voilà, donc il faudra jouer 2-3 heures par jour, et 2-3 heures par jour, vous allez gagner 500 à 1000 V-Bucks. Voilà, si vraiment vous farmez les V-Bucks et vous faites que les missions pour avoir les V-Bucks. Voilà, donc moi, je vous achèterai Fortnite Sauver le Monde. Donc, je vous ferai des lives. Là, donc, comme je vous ai dit, à l'heure où je vous parle, on est le 27 juin 2018. Donc, à partir du 1er juillet, on va faire des lives Sauver le Monde et je vais vous parler un peu de tout ça. Comme ça, au moins, si pendant mon live, bah, vous trouvez que c'est bien, vous pourrez l'acheter. Voilà, donc comme ça, vous ne l'avez pas acheté sur un coup de tête. Voilà, vous n'avez pas dit, bon, on se l'achète, comme ça, on aura plein de V-Bucks et on va s'acheter beaucoup de skins dans Fortnite Battle Royale. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Faut vraiment jouer et c'est vraiment une très belle histoire, Fortnite Sauver le Monde. En tout cas, moi, j'aime bien, c'est pour ça que je vais l'acheter. Donc sur PS4, c'est à 40 euros et sur PC, c'est à 20 euros. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à la prochaine. C'était Fanatics, ciao tout le monde.